Eh bien salut tout le monde, c'est Kian Alex, comment allez-vous les amis? J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Et donc je suis en vacances, tranquille, posé, et donc aujourd'hui les amis, on se retrouve sur mon magnifique bureau avec Sangwan dans Super Saiyan 2, voilà, comme tu connais les bails. Bref, aujourd'hui on va voir comment regarder l'attaque des titans, c'est un super manga, un super animé, je vous conseille vraiment de le voir, donc c'est pour ça que je fais cette vidéo. Donc vous qui cherchez justement désespérément à regarder ce manga, bah, je vais vous montrer tout de suite, parce qu'effectivement ce Popcorn Time, donc si vous savez pas ce que c'est Popcorn Time, j'ai fait une vidéo, je vous mettrai une petite annotation, vous pourrez cliquer, qui en gros c'est une application qui permet de voir en peer-to-peer tous les films et séries ou même animés gratuitement. Bon là je sais pas pourquoi il se lance pas, mais bref en gros, en tout cas le dessus il y a l'animé, voilà, il y est, animé, donc il y a Shingeki no Kyojin, c'est le nom en japonais, sauf qu'en fait les épisodes ne marchent pas, voilà. Donc ça explique en anglais qu'ils n'ont aucun animé, aucun épisode. Et donc ensuite quand on va sur internet pour regarder aussi, donc on peut regarder sur internet si on tape l'attaque des titans en français. Merde, excusez-moi, mon talent d'écrivant. Ah je vais dire le tapeur, bon bref on s'en fout, qu'est-ce que je réponds, bref voilà. L'attaque des titans, en fait si vous tapez streaming, vous allez tomber sur des vieux sites dégueulasses, ça met 4 heures à charger, c'est de la grosse merde. Alors ce que vous proposez c'est Netflix, sauf que la plupart des gens n'ont pas Netflix. Alors ce que moi je vous conseille, c'est en fait de regarder sur un site spécial, ça s'appelle Zone Téléchargement. Donc vous tapez Streaming Zone Téléchargement, je vous mettrai le lien de toute façon dans la description. Vous prenez le premier lien, donc hop. Donc là vous arrivez sur cette page-ci. Donc ça c'est effectivement l'image de l'animé. Donc vous descendez, donc là vous avez les synopsis, donc l'histoire, en gros ce qui se passe. Donc c'est vraiment parfait parce que c'est du japonais à sous-titré français, donc c'est vraiment le mieux pour regarder une série quand c'est dans une autre langue, moi je trouve c'est super agréable. Donc ensuite ce que vous allez faire pour regarder la série, c'est que vous allez cliquer sur télécharger, juste en dessous de Up to Box, cliquez sur télécharger. Je suppose que vous connaissez tous le jeu de la roulette. Tais-toi, t'es moche, qui est moche toi, voilà. Donc vous tapez le code de sécurité ZN. Enfin le code qui apparaîtra, ça dépend. Et donc ici vous avez plusieurs liens, en fait c'est chaque lien est équivalent à un épisode. Donc si vous avez fini l'épisode 1, vous cliquerez sur le 2 après, voilà. Et donc en fait, donc si on clique par exemple sur l'épisode 1, ça va vous redigérer vers une page. Donc là faut pas faire attention à tout ça, vous en foutez, faut juste faire attention, regardez, il y a écrit quoi. Putain de... excusez-moi, j'ai rien dit. On se calme. Donc ici, donc Shingeki no Kyojin, hein, c'est les abréviations, S01, c'est-à-dire saison 1, épisode 1, donc c'est parfait. Et donc là, vous avez deux liens, soit le téléchargement, soit le streaming. Vous pouvez télécharger, moi je vous conseille, enfin, faites ce que vous voulez, mais le streaming c'est plus rapide. Et donc là, vous avez plus qu'à attendre, et moi en tout cas, ça charge super vite. Et donc voilà, l'épisode commence, la qualité, vous pouvez la régler, donc c'est parfait. Regardez ici, attends, je vais sur pause, ça c'est chaud. On va mettre en 720p et puis on va voir si ça marche. Ouais, ça marche, voilà. C'est beaucoup plus rapide pour charger que les vieux sites de merde. Bref, voilà les amis, je vous conseille vraiment cet animé. Il est vraiment génial. Et pour l'instant, il n'y a que la première saison qui est sortie. Donc, délectez-le, hein, pas comme moi. Regardez pas tout en une journée, les 25 épisodes. Parce que sinon, vous allez attendre jusqu'à 2016 hein, avant que les saisons 2 sortent et vous allez vous faire chier. Donc voilà, donc c'était un petit tuto, donc je récapitulerai, donc il faudra juste aller sur ce lien, mais aller Up to Box, et ensuite vous cliquerez sur les liens, puis sur Streaming, pour regarder les épisodes. Voilà, donc écoutez, petite dédicace aussi à Angèle, j'avais promis une amie à moi. Donc voilà, donc si t'es un super guerrier, et ben écoute, laisse un like, ça me ferait vraiment super plaisir, et si ça t'a aidé, ou même si ça t'a plu, putain, faut vraiment que j'articule. Bref, voilà, encore une fois, si tu veux pas rater d'autres tutos, bah abonne-toi à ma chaîne, et puis je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, et puis à la prochaine, ciao.